Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Amélina qui, je suis Elina. Je suis Amélia et on est des sisters. Aujourd'hui on va tenter des life hacks de TikTok, car il nous a beaucoup plu et on aime savoir des nouvelles choses. Donc suivez-nous, c'est parti. Amélia, je te propose de faire ce life hack magique. D'accord. Et voici le résultat final. Et on va tester ce life hack tout de suite. Pour réaliser ce life hack, on a besoin de deux verres. Un verre rempli de l'huile et un autre rempli d'eau jusqu'à ras-bord. L'eau, elle est colorée pour bien distinguer avec l'huile. Donc c'est parti. Alors, on va faire comme ceci. Sur la chaîne Elina Secret, j'ai déjà testé la moitié de ce life hack. Donc si vous voulez le voir, je vous le mets juste ici dans le petit i. Alors c'est parti. Ne fais pas tomber. Voilà. Non, ça va tomber. Tenir l'eau. Le moitié de ce life hack, c'est ceci. Et maintenant. Deuxième essai, parce que dans le premier essai, je savais pas comment tenir le verre. Alors c'est parti. Voilà. Tire le truc bleu sur cette fois-ci. Tu peux pas m'aider aussi, c'est bien. Bon, comment je peux t'aider si j'ai déjà toutes tes mains? Non, mais je tiens. Oh my god, j'ai pas. Oui, Amel. J'ai pas. Alors attendez, je vais enlever. Parce que j'ai très peur de salir la chaise. Alors Amel, tiens le verre d'en haut. Ça fait vraiment laid, Amel. Mais j'ai peur. Non. Verre d'en bas, je le tiens. Oui, voilà, verre d'en bas. Non, mais très fort. Très fort? Ah, c'est bon. Ah, c'est trop bon. Oh my god. Oh my god. C'est joli. Regardez, on voit vraiment. C'est en train de changer de place. Oui. C'est vraiment satisfaisant. Voilà. Et voilà. Je valide ce life hack parce qu'il est très satisfaisant et c'est aussi en même temps une expérience à faire. Voilà, on passe au prochain life hack. Et maintenant comment on enlève? Je sais pas. Alors ce TikTok, on ne pouvait pas passer devant parce que ça nous concerne, c'est du slime et on adore ça. Alors on est sûr que ça va pas marcher parce qu'on a fait des millions de slime et on sait que ça marche qu'avec du borax ou de la lessive. Mais on va quand même tester pour le fun. Alors pour ce life hack, on a besoin de Fanta, de paillettes, et de la colle. C'est pas grave, mais... Alors, on met de la colle. Allez, rajoute maintenant les paillettes, Amélia. Tu me dis stop. Tu fais assez, comme tu veux. C'est bon? Et maintenant, je vais mélanger la colle, les paillettes et le Fanta pour que ça se transforme en slime. C'est pas très beau.
C'est pailleté, regardez. Allez, c'est bon. Alors voici le moment de savoir si ça marche ou pas. Si ça se transforme en slime. Oh, il y a la fumée. Pas du tout. C'est un fail, là. C'est tout liquide. Avec des paillettes et de la colle. Ça fait de la boue. En plus, la couleur n'est pas très belle. Alors que à la fin, il montre du slime orange. Alors que le nôtre, il est très bizarre. Il est mousseux avec des paillettes. Et c'est liquide. On constate que c'est un fail. Un fail pas du tout joli. On dirait une soupe à la sorcière avec des paillettes. Le fail est pas très joli. La couleur est pas très belle. Alors ce life rack, ça fait longtemps que j'ai hésité à le faire. Voici le jour J où on va tester ce life rack avec Amélia. Parce que ça m'intrigue vraiment. On dirait de la magie. Et voici ce que ça fait. Voici tout ce qu'on a besoin pour ce life rack. Un objet avec un trou pour qu'on mette bien le cure-dent à l'intérieur et pour que ça tienne. Un des cure-dents. Deux. Et deux fourchettes. Alors on commence par superposer les deux fourchettes eux-mêmes, comme ça, oui. Mettre le cure-dent sur le côté. Alors. Comme oui, ça. Sur le côté, sur un côté. Comme. Pourquoi ça ne peut pas se mettre ? Comme ça. Après, il fait. Après, il met au milieu ici. Mais c'est que c'est la mine. Le cure-dent s'est passé. Alors là, c'est trop dur. Je pensais que c'était si facile. Tu vas casser une fourchette. Et deuxième, cassé. Pourquoi c'est un peu chaud? Ah, c'est bon. T'as mis le. Ok. Attends, non, de l'autre côté. Mais non, mais fallait pas mettre la tige comme ça, fallait me mettre de l'autre côté. Bon, ça va pas marcher jusqu'au bout, mais on valide. Ne fais pas une bêtise. Regardez, ça tourne. Trop beau. Ne fais pas une bêtise. C'est moi, un peu de 2 minutes qui ai dit ça. Oh, ça tourne, c'est trop beau. Ah, on a bien. Je touche. On a réussi ce life rack. Bon, ça, tu sais. Yeah, on a réussi, trop forte. Top là. On valide ce life rack. Hein? On peut même faire tourner. Ça va. Voici un life rack très surprenant. L'eau, elle se fige. C'est trop magique. On dirait pas du tout qu'elle coule. Ouais, le ballon, je vais le remplir d'eau. Attends. Tu l'as pas mis? Enfile-le. Non, mais c'est bon, il y a un trou en fait. Comme. Mais. Voilà. Vas-y. Tiens, c'est bon, ferme. Attends, tu le tiens toujours. Hein. Tiens-le. Attends, je vais le fermer. Mais attends, j'ai plus à ramener. Voilà. Oh, mais il est où le scotch?
Alors on a mis le ballon dans un récipient. Et là, on va le faire le contour où il faudra couper pour avoir une cible. Je vais mettre juste encore un scotch. Comme ceci. Et on devra faire un trou avec quoi? Avec un couteau. Alors, j'ai peur. Il se claque. Oh ah démarque. Vous n'avez pas du tout que c'est solide. Si vous aimez bien ce live fight très cool, n'hésitez pas à liker. Alors Amélia, tu valides? Oui. Trop bien.